bienvenue dans cette très mauvaise idée. On va dire ça comme ça. Je me suis dit, comme j'avais fait un classement de des niveaux de New Super Mario Bros. Sur DS, je me suis dit que ça pourrait être marrant de faire d'en faire un pour les autres jeux New Super Mario Bros. Le truc, c'est que je les connais pas forcément autant par cœur. Genre, le classement pour New Super Mario Bros., j'ai pas besoin de rejouer à New Super Mario Bros. Je savais à peu près quel niveau avec quoi et où sont toutes les pièces étoiles. Donc, donc pour New Super Mario Bros. 2, il faut le refaire. Et donc, je me suis dit, tiens, ce serait marrant de le faire en live et de faire déjà le classement préliminaire. Et la façon dont je fais mes classements, c'est que, bah, du coup, j'ai la liste de tous les trucs que je veux classer et je sépare en 3. A, B, C, où A c'est bien et C c'est moins bien. Et puis je sépare en 3 encore jusqu'à ce que j'ai des groupes assez petits pour les classer entre eux. Et donc j'avais pensé au départ à faire un classement ainsi. Donc de faire le truc en live et d'avoir le classement préliminaire. Donc le premier classement A, B ou C en stream. Et puis passer au. Et puis le reste du classement, je le fais par moi-même et il y aura la vidéo qui sort. Mais je me suis rendu compte que c'était pas forcément le plus passionnant. Genre pour les gens du stream, c'est. Le truc, c'est que le premier classement, c'est naturel et c'est voulu de mon système. La plupart des trucs vont en B. Et bienvenue Lily. Et tu n'as aucun souvenir du jeu, c'est normal. C'est le jeu tellement générique qui ne laisse aucun souvenir. C'est pour ça que d'ailleurs je refais le jeu pour pouvoir faire le classement du niveau, parce que sinon je m'en souviendrai pas. Mais donc ce que je vais faire, c'est que je vais classer les niveaux dans chaque monde en eux-mêmes. Donc là je vais faire juste le monde 1, peu importe, ça va sûrement pas prendre si longtemps, parce que le monde 1 est assez facile, assez court. Mais comme je parle beaucoup, ça peut compenser. Et je vais classer les niveaux dans le monde 1 en lui-même. Puis je fais le monde 2, je vais juste classer les niveaux du monde 2 en lui-même. Attendez, hein, parce que j'essaye de... Hop. Voilà. Et du coup, comme ça, j'aurai un classement, 9 petits classements pour chaque monde. Et ensuite, je pourrais faire le classement global en prenant genre les 9 listes, les mettre de moins bon à la meilleure, tout aligné, et puis genre prendre celui que j'aime le moins parmi les 9, etc. Enfin bref, ça ce sera fait après. Mais comme ça, chaque stream individuel sera consacré à un monde, ou peut-être deux si j'ai envie d'en faire plus long. Et je pourrais... Et ainsi, genre, chaque stream en lui-même a son petit classement et a son intérêt. Donc, bienvenue dans New Super Mario Bros. 2. Le gimmick principal, c'est les pièces. Et le jeu tient compte de toutes les pièces que vous avez récoltées dans toutes vos parties, même celles que vous effacez. Donc, depuis 11 ans, ce jeu va avoir 11 ans le mois prochain. Je pense avoir fait une bonne dizaine de parties, au moins à 100%, au moins. Parce que malgré que ce soit pas le, ce soit probablement le jeu Super Mario le plus superflu de l'univers, genre il aurait pu ne pas exister, rien n'aurait changé. Ça reste un jeu Super Mario, ça reste un jeu New Super Mario Bros. Donc je l'aime quand même bien et il est fun, il reste très fun. Donc faut pas lui enlever ça. Mais jamais genre à 1 million de pièces on a un écran titre, c'est genre génial. Ils ont hypé le truc quand ils ont fait le trailer, ils ont hypé, ouais, 1 million de pièces, etc. Alors que 1 million de pièces, ça va sûr. J'ai fait au moins 10 parties à 100%, dont 2 où j'ai essayé d'avoir le record de pièces dans les niveaux, parce qu'il retient le score par niveau, et je suis à 445 000. Donc, ouais, le million, on s'en fout un peu. Et bien sûr, je vais faire ça 100%, donc c'est un jeu New Super Mario Bros, il y a 3 pièces étoiles, c'est un... classique. Genre vous voyez déjà où vous allez aller quand votre compteur de vie a 3 chiffres au début du jeu. Je ne suis pas mort au premier Goomba, c'est déjà une victoire personnelle.
Non, c'est pas vrai, c'est pas moi qui meurs au premier Goomba, c'est mon frère. La première fois que mon frère a joué à New Super Mario Bros. 8, il est mort 4 fois de suite au premier Goomba, je sais pas comment il a fait. Pourtant, c'est lui qui est censé être bon au jeu vidéo. Bon, il avait 11 ans, mais quand même. Donc, comme mon but c'est de faire le classement, je vais probablement donner un peu mon avis sur les niveaux après chaque niveau, voir un peu ce que ça donne. Le classement, genre, je pourrais faire ça avec New Super Mario Bros. 8, New Super Mario Bros. 8, New Super Luigi U après s'il faut. Mais on verra. New Super Mario Bros. 2, c'est le plus facile. Donc c'est celui où il y a le moins de chances que je me fasse humilier. Et alors, genre, vous souvenez dans le 1-1 de New Super Mario Bros. Quand il y a un truc avec deux blocs et que vous pouvez le taper, il y a un bloc invisible qui avec une liane qui monte vers un 1-up. Ouais, et ben il y a exactement la même chose dans New Super Mario Bros. 2. Et oui, c'est extrêmement triste. Voilà un gimmick. Quand on tape les blocs au moins 10 fois, pouf, on a le bloc sur la tête, ça fait plein de pièces. Genre le jeu adore les pièces, il vous en donne quand même 100 il vous donne quand même une vie quand vous atteignez 100, donc les vies montent très vite, mais en même temps c'est un peu le but du truc parce que pour compléter le jeu, avoir le fichier avec le plus d'étoiles possible, il faut 1110 vies donc. Deuxième pièce étoile ici, qui demande d'être en moins en grand pour pouvoir casser les trucs, comme la troisième pièce étoile du 1-1 de New Super Mario Bros sur DS. Yeah, voilà les blocs qui donnent beaucoup de pièces aussi comme ça. Le record, de toute façon, ça sert à rien de s'occuper du record parce que tant qu'on n'a pas de fleurs dorées en stock, ça sert à rien. Bon, ici le bloc, je vais pas pouvoir le voir sur ma tête, donc il va être détruit. Normalement, il est censé. Ok, bon, c'est pas grave. Donc, comme tu veux, je. Genre, fais-moi passer pour un con dès le premier niveau, c'est très sympa. Si vous aimez pas le bruitage des pièces, je suis désolé. Mais voilà. Et regardez, genre, les Goombas empilés les uns sur les autres, je pense que c'est une nouveauté de New Super Mario Bros. 2. Je ne pense pas qu'ils apparaissaient dans Wii ou dans Bros 1. Donc voilà, nouveauté. Qui a dit que ce jeu était pas original? Je voulais leur faire une attaque rodéo, mais j'ai raté mon truc, c'est pas grave. Vous pouvez aussi remarquer que je joue à Mario, parce que contrairement à New Super Mario Bros. Sur DS, où faire L et R en choisissant le fichier permet de jouer avec Luigi tout le temps, dans New Super Mario Bros. 2 ça marche, mais seulement si vous avez battu le boss final dans votre fichier. Donc voilà, le seul truc de New Super Mario Bros. Qu'il pouvait reprendre de manière inconditionnelle, ils ont décidé de ne pas le faire, c'est très triste. Bon, le premier niveau, c'est le premier niveau, c'est... Y a rien de spécial, les pièces étoiles suivent la progression de... La première est en plein milieu du chemin, on peut pas la rater. La deuxième est en plein milieu du chemin, mais il y a un petit obstacle derrière, autour. Et la troisième est cachée à un endroit, il faut fouiller un peu ici dans un tuyau. C'est du classique, ça fait le job. Voilà. Passons au monde 1-2. Ah, des pièces cachées. Ça c'est un truc que New Super Mario Bros. 8 a introduit où on se mettre à certains endroits fait apparaître des fois des pièces ou des trucs ainsi. Pouf, poum. Regardez-moi ce magnifique cette magnifique réaction en chaîne. Oh, première pièce étoile se dévoile. Ça rime. La deuxième est ici, donc les pièces étoiles sont rapides. Ah, ici, test de rapidité. Et je me suis fait toucher comme un abruti. En vrai, je pense que toutes les briques ici sont cassables avec les coupas. Donc même en ratant le P, on peut quand même avoir la pièce étoile, je pense. Pour l'instant, on a vu que la fleur de feu. Le power-up principal
de ce jeu, ils se sont dit que qu'ils allaient le garder pour le 1-3. Je ne sais pas pourquoi. Alors, intéressant ici, un truc qui demande des boules de feu. Aussi quelque chose d'inédit à New Super Mario Bros. 2. Faut le dire quand il y a un truc de nouveau, parce qu'il n'y en a pas grand beaucoup. Et voici le Méga Champi, qui était un gimmick total dans New Super Mario Bros. Sur DS et qui servait à rien. Et qui est toujours un gimmick total qui ne sert à rien ici. Je dois vous avouer que le Méga Champi, c'est... je veux dire, c'est marrant 3 secondes de défoncer le monde comme ça, mais... voilà, c'est... ça devient très peu fun assez vite. Et c'était le monde 2, le classique. Premier niveau souterrain, terrain un peu plus dangereux, quelques notions de carapace de Koopa. Oh, un premier panneau à pièce étoile, ouais. Je peux sauvegarder parce que c'était très important qu'il lock la sauvegarde derrière un panneau à pièce étoile. Complètement con. Allez, monde 1-3. Et maintenant, c'est normal que le power-up soit dévoilé au monde 1-3 puisqu'il revient tout droit de Super Mario Bros. 3. C'est la feuille de Tanuki qui transforme en raton laveur. Enfin, c'est pas la feuille de Tanuki, du coup, c'est la super feuille qui transforme en raton laveur. Donc, New Super Mario Bros. 2 est tellement bien que son power-up principal, c'est un power-up qui existait déjà, donc génial. Et qu'on avait déjà vu parce que Super Mario 3D Land était sorti l'année précédente avec le même power-up, enfin qui transforme en Tanuki, mais c'est le même jeu. C'est genre vraiment, ils se sont dit quel power-up faire le power-up principal du jeu, parce que non, c'est pas la fleur de Ray le power-up principal du jeu. Et ils ont choisi, je pense, la pire idée possible. Il faut l'acclamer quand même. Hein. Là, normalement, il devrait avoir plein de pièces. Yeah! Plein de pièces. Alors oui, bien sûr, sans parler de la musique qui est complètement pas originale, puisque c'est juste la musique de New Super Mario Bros. 8. Avec quelques... pas exactement le même son, mais c'est juste la même chose. Ils ont rajouté des échos, des trucs ainsi. Ce stream, ça pourrait s'appeler « Pourquoi New Super Mario Bros. 2 est nul ?» Pas nul, mais très peu inspiré, on va dire. Je n'ai pas envie de dire qu'il est nul, parce que ça reste genre... Tu as quand même un... Le jeu est designé par des gens compétents, quoi. C'est des niveaux, il est fun, mais il est pas plus que ça, et il sert un peu à rien. Hop, les pièces rouges pour récupérer la feuille. Avec la pièce étoile qui est la troisième, non? C'est la troisième. Donc j'ai manqué la deuxième, donc je vais essayer de la retrouver. Yup, voilà. Mais oui, même moi qui aime de manière un peu inconditionnelle la plupart des platformers Mario. La plupart, parce que Lost Levels, mais je peux pas vraiment défendre l'existence de New Super Mario Bros. 2. Genre, je peux dire après dans le monde, en considérant le fait qu'il existe, c'est loin d'être un mauvais jeu, même s'il est mais il est complètement superflu. Genre, son existence n'ajoute rien au monde, et on peut pas dire ça de vraiment des autres jeux de la série. Genre, même Lost Levels, que j'aime pas, genre, il a eu son importance, je pense, dans la série, il a eu son impact. Mais New Super Mario Bros. 2, genre, rien, quoi, rien. Il y aurait eu un stage de Smash en moins qui était inspiré de New Super Mario Bros. 2, parce qu'il y a plein de pièces dedans, mais voilà, quoi. Bon, au final, le 1-3, j'aime bien, il est bien de base, parce que c'est il introduit un power-up, et on doit l'utiliser à plusieurs reprises, de deux façons différentes pour avoir la pièce étoile. Les deux premières en volant, la troisième en utilisant l'attaque avec la queue pour détruire les blocs. Donc voilà. Hey, j'ai un bloc qui me suit. Je sais plus quand il apparaît lui. Je pense que c'est quand on récupère 1000 pièces en tout. Il apparaît. C'est pas grave. Nous voici au premier
à la première tour. Cette tour. Si on avait une deuxième, ce serait un truc du Seigneur des Anneaux. Oh, avec un Goomba squelette. Il est mort. Donc, la tour, comme dans tous les New Super Mario Bros, niveau de boss, on peut sauvegarder après. Et niveau très vertical, souvent centré autour d'un gimmick en particulier. Mais les premières tours, elles sont toujours relativement basiques. Un truc que New Super Mario Bros 2 n'a pas, et qui était dans New Super Mario Bros 8 et dans New Super Mario Bros U, c'est pas forcément une mauvaise chose qu'il soit pas là, c'est les murs invisibles, les faux murs. Disons que c'est pas la meilleure idée de l'univers, les faux murs. Parfois ça fait un peu cheap en fait, le placement des faux murs dans New Super Mario Bros. 8, New Super Mario Bros. U. Il y a des trucs qui cachent et c'est juste parce qu'il y a un faux mur. Et donc il faut penser à essayer de traverser tous les murs possibles imaginables. Yeah, regardez-moi ça. Après le checkpoint du 1 tour, on tombe sur une salle. Derrière une porte qui emmène vers une autre salle qui à la base a l'air normale, mais en fait on peut se diriger vers la droite de l'écran pour entrer une salle secrète, utiliser un tuyau pour sortir du château, et voilà la sortie secrète. Est-ce que j'ai décrit New Super Mario Bros ou New Super Mario Bros 2? J'ai décrit les deux en même temps parce que New Super Mario Bros 2 a repris exactement la même chose. C'est genre la première fois que j'ai joué à ce niveau, j'ai fait « Hey ! En fait, je sais déjà, c'est comme dans New Super Mario Bros. » Ça fait un peu pitié dans un sens. Je fais non pour sauvegarder, je sauvegarderai à la fin. De toute façon, il y a la sauvegarde rapide dans ce jeu, donc ça, c'est une bonne chose si jamais vous voulez juste quitter le truc. Hey, j'ai 5 pièces étoiles, je peux ouvrir cet endroit-là. Donc, la tour, j'ai pas encore fini, donc je vais garder mes opinions. Alors, le canon n'est pas considéré comme un niveau pour les besoins du classement. Les niveaux sont seulement ceux qui ont des pièces étoiles et des pièces lunes. Donc pas les canons, pas les niveaux spéciaux arc-en-ciel, quand je sais plus quoi. Voilà. Revenons dans la tour. It's a go time, comme dirait Mario. Est-ce que je peux tuer les plantes piranhas? Ouais, ok. Je ne savais plus si les plantes piranhas étaient sensibles à la queue. Il y a probablement un fanart bien dégueulasse de ce que je viens de dire sur internet. Hop. Et si je reviens dans la salle où il y avait la sortie secrète? Et ça, c'est marrant parce que si jamais je me mets sur le bloc et que je vais là, yup, il y a des pièces. Oh, j'ai eu 5, dommage. C'est un peu chiant ces blocs quand vous essayez d'avoir le maximum de pièces, parce que c'est un peu du RNG. Si vous n'avez pas le bon timing. Et donc si vous voulez vraiment être en gros tryhard et avoir le maximum de pièces, ah, vous avez raté le bloc, recommencez le niveau. Ah! Voilà. Un tuyau rouge là comme ça, en plein milieu du chemin. Alors le truc de bien, je dois dire, avec cette pièce, c'est que ils essayent de faire ils essaient de jouer en tour aux joueurs, hein. Ils mettent la salle, là ils mettent un P, ils font « Ah oui, c'est juste une petite salle bonus, tu peux avoir des pièces avec le P. » Et non, en fait, la pièce étoile, elle est au-dessus. Il faut un peu penser. J'apprécie le placement de cette pièce étoile, je le trouve intéressant. Yeah, I did it. Avec, hop, le bonus, enfin... Est-ce qu'il y a un bloc caché? Non, non, pas dans la première. Bon, voyons, mais quel va être le boss? Oh, c'est Reznor. Eh bien, préparez-vous à voir Reznor dans absolument toutes les tours. C'est génial. Et alors, c'est que deux Reznor et le sol descend vachement moins vite que dans Super Mario World.
Dans Super Mario World aussi, tous les boss des forteresses étaient Reznor, mais il n'y avait pas des forteresses dans tous les mondes et il n'y en avait aucune, je pense, qui était obligatoire sur le chemin, donc... Bon, voilà. En tant que premier... C'est difficile de juger vraiment les niveaux du monde 1 parce qu'ils sont forcément plus simples pour... expliquer des mécaniques. Donc là, c'est la première tour, c'est un niveau, il y a des trucs qui montent. Il y a une sortie secrète. Et il y a une... Et il y a une pièce étoile bien pensée. Ça montre un peu, genre, attention, il va falloir faire attention au secret. C'est ça que ça apprend au joueur. Ouais. Monde 1-4 désormais. Alors, hop, le monde 1-4 est donc dans le style athlétique. Hop, puisque c'est cette musique qu'on a. Genre ça c'est la musique qui vient de New Super Mario Bros sur DS. Genre c'est la musique de New Super Mario Bros qui réutilise à chaque fois. Mais c'est pas grave s'il y a une ou deux musiques qui reviennent souvent. On peut les considérer comme emblématiques. Là, le problème, c'est que c'est New Super Mario Bros. 2 n'a pas de soundtrack, en fait. C'est exactement la même que New Super Mario Bros. 8. Et il y a genre quelques musiques en plus sur le monde champignon et le monde fleur, quand on y arrivera. Et la carte du monde a une musique un peu nouvelle, mais genre, waouh, génial, quoi. Badabada. Ah, il y a plus de pas. Genre, je pense que dans New Super Mario Bros. 8, c'était pas... C'était des instruments normaux, c'était pas le palapama toute la chanson. Genre, waouh! Grande différence. Alors, encore, rapidité, il faut grimper pour atteindre la pièce étoile. Je me demande si on peut prendre assez d'élan pour voler jusqu'à la pièce étoile. Ah ouais! Tout juste. Donc voilà, si vous avez raté le timing, vous avez le raton laveur, ça peut aider. Alors voilà, ah oui, j'ai pas parlé des anneaux dorés qui transforment tout en ennemis dorés qui donnent plein de pièces tout le temps. C'est génial. J'ai 26 vies. Je suis à la fin du 5e niveau. Mario number one. Exactement, Mario. Bon voilà, c'était un niveau athlétique, même si en vrai il y avait un peu, il y avait pas énormément de trous sans fond. C'est pas le niveau athlétique le plus intéressant. J'ai 5 pièces étoiles. Hop, voici le premier embranchement. Ouais, genre c'est des trucs tellement basiques, mais je suis obligé, il y a que ça, donc je suis obligé de les expliquer. Monde 1-5, et ça. La carte nous dit déjà qu'on va devoir se mouiller un peu. Tu y vas? Eh bien, merci d'être passé. Bon, un niveau d'eau. Alors, un truc à noter, c'est que dans New Super Mario Bros. Wii, il n'y avait qu'un seul vrai niveau d'eau. Où on est tout le temps sous l'eau comme ça, sur tout l'écran. Et c'était le 4-4, il me semble, 4-6, je me souviens plus trop du nom du niveau. Mais tous les autres, il y avait d'autres niveaux aquatiques, mais la plupart du temps, ils avaient la surface était visible. Genre, on pouvait sortir un peu au-dessus de l'écran. Et du coup, voilà, c'est un truc que j'avais remarqué les premières fois que j'ai joué à New Super Mario Bros. 8. New Super Mario Bros. 2 revient à des niveaux aquatiques plus classiques, comme celui-ci. Là, le truc que le joueur a appris, c'est les courants. Faut faire gaffe aux courants. À pas confondre avec le courant. On trouve dans l'hystérique de l'étrange lucarne. Épisode 6 ou 7 de la saison 2 de Doctor Who. 6 ou 7. Juste avant, et je sais qu'il y a le Age of Steel. Hein? Non, 7.
7, parce que le premier c'est Nouvelle Terre, puis c'est un loup-garou royal, puis c'est l'école des retrouvailles, puis c'est la cheminée du temps, puis le règne des Cybermen, partie 1 et 2. Donc c'est bien l'hystérie de l'étrange lucarne, et bien le 7ème épisode. Un des premiers épisodes de Doctor Who que j'ai vu de ma vie. Et dedans, le docteur utilise son papier psychique pour passer quelque part, et le papier psychique a fait croire à la personne que le docteur était le roi des Belges. Donc, et ça se passe pendant le couronnement d'Elisabeth II en 53. Est-ce que c'était déjà Baudouin ou est-ce que c'était encore Léopold III? Enfin, ouais, si c'était encore Léopold III, n'est-ce pas. Non, parce qu'il est mort en... Non. Baudouin est mort en 93, il avait 42 ans de règne, je pense. Ce qui fait 51. Donc c'était déjà le roi Baudouin, donc voilà. Je ne pense pas que le roi Baudouin ressemblait à David Tennant. Bon, le 1-5, c'est bien. Le problème des niveaux d'eau, c'est que ils partent avec un désavantage parce que ce sont des niveaux d'eau. Alors, le saviez-vous, dans New Super Mario Bros. Sur DS, il y a 5 niveaux numérotés. Plus un niveau avec une lettre qui est disponible uniquement derrière un panneau, plus la tour, plus le château. Et vous savez quoi? Dans New Super Mario, plus un canon disponible en trouvant la sortie secrète de la tour. Eh bien, vous savez quoi ça? New Super Mario Bros. 2 aussi. Voyons un peu ce que le 1... Le original dans New Super Mario Bros. Sur DS, c'est le 1A, le niveau d'eau. Ah, voilà. Voilà. Donc bienvenue dans le 1A, un monde avec plein de tuyaux et un monde où ce Koopa est condamné au purgatoire. Il ne peut pas être atteint. Si, je pense qu'avec la fleur dorée, on peut le tuer en fait. Donc voilà, on pourra le délivrer de sa souffrance s'il faut. Donc le 1A, cela dit, est un niveau... si vous voulez farmer des pièces, je pense que c'est un niveau assez bon. Si je me souviens bien, c'est un des niveaux où j'avais des records les plus grands de pièces. Je pense que j'étais à plus de 1500. Après, j'étais pas super super tryhard, cela dit, c'est un niveau je trouve extrêmement mémorable de ce jeu. Il y en a très peu, mais dans ma tête c'est non seulement assez mémorable pour ce jeu, mais aussi presque unique. C'est-à-dire que genre il y en a pas vraiment dans le style dans les autres jeux New Super Mario Bros. Donc c'est vraiment genre un niveau qui est plus à lui, ce qui est vraiment vraiment genre unique pour New Super Mario Bros. Donc enfin pour deux en tout cas. Donc c'est assez rare pour le faire remarquer. Et hop, ici en plus, genre oh, on peut passer, on peut avoir le checkpoint, je prends le checkpoint, mais aussi on peut hop passer ici et hop. Voilà, il y a plein d'occasions de petits passages secrets comme ça dans ce niveau. Genre vous voyez toutes les anneaux d'or, parce que les anneaux d'or, donc ils donnent des pièces quand on truc, mais si on est en fleur d'or, qu'on verra dans le monde 2 seulement, ça donne deux fois plus de pièces en plus que ça, donc c'est passé. Vous voyez pourquoi on peut avoir plein de pièces dans ce niveau. Hein. Hop, ouais, une fleur de feu aussi si ça vous intéresse. Hop, cela dit, je n'ai que une pièce étoile, il serait temps d'essayer d'avoir les autres. Donc vous voyez, ce raccourci ne m'a donné aucune pièce étoile. Ah! Il s'en va. Yeah, je t'ai eu. J'avais vraiment besoin de cette vie, je n'en avais que 39 avant. Alors, hop, il y a une pièce ici. Il faut utiliser, hop, ces portiques. Voilà, faut faire attention parce qu'on peut la rater du coup. Et je pense que la dernière est dans ce tuyau. Ah non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, c'est vrai. C'est vrai, je me souviens maintenant. Dégage. Et ça c'est, je pense,
Donc j'ai eu ce jeu pour la première fois en 2012. J'ai acheté ce jour de sa sortie. On partait en vacances dans les Ardennes le même jour. Donc j'avais pas accès à Internet pendant une semaine et j'avais basiquement que ça et Super Mario 3D Land comme jeu. Et j'avais déjà complété Super Mario 3D Land à 100%. Donc j'ai essayé de le finir le plus à 100% possible et je pense que ça c'est une des pièces étoiles que je n'avais pas. Elle est relativement bien cachée, mais du coup je m'en souviens. Je me suis fait toucher de manière un peu débile, mais ouais, voilà, c'était le 1A. Vous aurez peut-être compris que c'est un niveau que j'apprécie. En tout cas, il ressort et c'est quelque chose que je trouve importante dans le cadre de Super Mario Bros. 2 parce que c'est une denrée rare, on va dire. Et voici le dernier niveau, le 1 château. Ça m'énerve parce que, genre, c'est la musique de New Super Mario Bros. Donc j'aime bien cette soundtrack, quoi, par défaut, mais j'arrive pas à autant l'apprécier parce que je me dis, mais c'est comme si j'avais muté le jeu et que j'avais foutu une autre soundtrack par-dessus, quoi. C'est un peu dommage. Bon, en tout cas, ce château, il annonce la couleur directement sur ce qu'est un château dans les New Super Mario Bros. C'est un niveau horizontal, contrairement aux tours qui sont verticales, et il y a beaucoup de lave, et il y a beaucoup de Skellerex, et généralement le jeu vous fait tout de suite moins de cadeaux, même si on est encore au monde 1, c'est encore relativement facile. Là, c'est le jeu qui vous dit, est-ce que tu voudrais pas utiliser ton magnifique power-up que je viens de te procurer? Hop, déjà deux pièces étoiles. Ce serait marrant, je me demande combien de niveaux de New Super Mario Bros. 2 sont facilement recréables dans Super Mario Maker 2 sans trop de pertes de fonctionnalités. Ici, on voit clairement qu'il y a un truc au-dessus. C'est juste un petit bonus. Moi, je me suis un peu fait jbaited, je pense, la première fois que j'ai fait ce château, parce que j'étais en mode, ah ouais, j'ai vu direct votre troisième pièce étoile, elle est là. Ah, non, en fait. Par contre, on voit un truc là au-dessus. Mais en fait, elle est là. Mais il y a quand même un truc là au-dessus. Donc ça pourrait vous... Vous pouvez vous demander. Donc déjà, hop, power-up gratuit à la droite. Genre, juste avant la dernière salle, c'est toujours comme ça. Et hop, plein de pièces bonus. Si vous voulez avoir le maximum de pièces, bah c'est une récompense. Le problème, c'est qu'avoir le maximum de pièces ne sert à rien. C'est vraiment un truc que vous faites juste parce que vous faites chier et vous avez rien d'autre à faire dans le jeu. Ils ont fait leur gimmick à moitié, quoi. Ils ont eu l'idée, ils l'ont implémenté, ils ont rien fait avec. C'est décevant parce que pourquoi pas? Genre, les pièces, c'est pas le truc la mécanique la plus intéressante à la base. Genre, demander d'avoir un certain score dans chaque niveau pour avoir une médaille ou j'en sais rien, une quatrième pièce étoile si on a au moins un certain score qui dépend du niveau. Le premier Koopaling de ce jeu, c'est Roy. Donc cette fois, c'est lui qui a été désigné pour être le premier Koopaling et donc le plus pitoyable. Voilà, c'était très dur. Dans New Super Mario Bros. 8, c'était Larry. Et dans New Super Mario Bros., il n'existait pas. Enfin, les Koopalings sont de retour en tant que boss. Eh, hey, c'est Iggy! C'est Iggy qui vient de faire un geste assez grossier. Donc c'est dégoûtant, mais dans un autre sens. Voilà. C'était, je pense, très philosophique ce que je viens de dire en tout cas. Et une petite sauvegarde. Le monde 2 est atteint, mais... Il me reste techniquement un truc à faire au monde 1. C'est le niveau du canon qui ne sera pas utilisé dans le classement, mais qui est quand même une partie du monde 1 que je vais faire. Et qui a son propre compteur de pièces. Donc, qui est assez fun à essayer de maximiser, parce que je pense que c'est le genre de niveau où c'est quelque chose de naturel d'essayer de maximiser.
Il n'y a pas trop de chance, c'est vraiment juste, il y a le bon chemin à prendre, quoi. Et donc, bienvenue dans la seule vraie idée de New Super Mario Bros. 2. Au lieu d'avoir un bête canon qui transporte au monde 1, au monde 5, au monde truc comme ça, le canon nous fait courir Mario à toute vitesse. Et c'est un petit niveau, en fait, qui est en gros un autorunner. Et c'est une très bonne idée. C'est quelque chose qu'on a jamais fait. Genre, utiliser les canons dans ce sens-là était quelque chose qui n'avait jamais eu lieu avant. C'est quelque chose qui n'a pas vraiment eu lieu après. C'est une bonne idée, ça colle bien. Genre, je saute un peu trop tôt à chaque fois. J'essaie de faire le max pièce, même si c'est pas optimisé parce que j'ai pas tout ce qu'il faut. Mais. Enfin, c'est juste une très bonne idée, c'est très bien. C'est la petite touche d'inventivité, genre la seule de ce jeu. Donc. Voilà, genre, vous voyez l'anneau à pièce rouge, je l'ai raté. Hop. Ah non, ça c'est dégueulasse, j'ai fait le saut pour que je pense passer au-dessus. Enfin bref. Bon, le premier château. Il a juste introduit ce qu'était un château. Il a introduit les tombes, il a introduit les boules de feu. Il y avait quelques squelettes qu'on avait déjà vu. Après, les pièces étoiles en elles-mêmes n'étaient pas les super super intéressantes. Voilà, dégage, paratroopa. Enfin, c'était un paratroopa, ouais. Yeah. Voilà. Oh, mais qu'est-ce que c'est le monde champignon? Eh oui, ce jeu utilise le même format que New Super Mario Bros. Enfin, un peu différemment, mais où il y a 6 mondes principaux, 2 mondes secrets, et puis un troisième monde secret après, mais dans New Super Mario Bros. Il n'y avait pas. Et du coup, ouais, on obtient les canons emmènent un peu différemment. Mais là, au lieu d'être numéroté, genre monde 1 à 8, et d'en avoir quand même 2 dans la numérotation qui sont cachés. Là, les mondes principaux sont 1 à 6, et les mondes secrets sont champignons, fleurs et plus tard étoiles. Mais pour ce, ce niveau, enfin ce monde. Pour le classement, alors le classement, donc tout en haut ça va être le meilleur, tout en bas ça va être le moins bon. Le 1-5 est le niveau d'eau, donc il va être mis en dernier. 4, 5, 6, 7, 8. Alors je suis sur un fichier texte. Mais je dois utiliser le clavier de mon PC en lui-même, pas mon clavier USB, parce que j'ai déjà trop de trucs USB branchés. Il faut que ma souris soit branchée, que mon casque soit branché et que le truc 3DS soit branché. J'ai pas de multiprise USB. Enfin, j'en ai une, mais elle fonctionne quand elle est en vie. Donc, le 1.5 est tout en bas, et ça n'étonnera personne de savoir que je vais mettre le 1A tout en haut. Voilà, donc on est comme ça. Le 1 château est pas spécialement en deuxième position. Il faut. Pourquoi tout à coup il est. Voilà, reviens à la ligne 8 toi. Voilà. J'avais préparé plus ou moins mon coup pour que ça vienne. Donc en vrai, j'aime bien le 1 tour. Et genre, si on fait abstraction que la sortie secrète est exactement. Le même format que New Super Mario Bros. Genre, pour une personne qui n'a pas fait New Super Mario Bros, ça reste une sortie secrète, genre, intéressante, cachée de manière intéressante, et qui peut être très, très cool à trouver quand on a ce moment où on trouve enfin où elle est. Donc je pense que je vais mettre un tour là. Le 1 château... ouais... Je dois avouer que c'est un peu difficile de classer les autres vraiment comme ça. Je pense que le 1 château doit pas être super haut. Le 1-1, je vais mettre le 1-1 en troisième position.
Le 1-3 juste en dessous, le 1-1 est un, c'est le basique, c'est bien. Hop. Voilà. Genre le 1-2, le 1-2. Je suis d'utiliser du coup le clavier qui est sur mon PC portable directement. Et il marche pas ce clavier en fait. Il y a plein de trucs qui marchent pas. Genre la touche V marche pas, donc je peux plus faire mon contrôle V. Les touches elles fonctionnent quand elles veulent. Genre le moins du numpad marche pas, donc je dois mettre le tiret à côté du à gauche du backspace. Enfin, si je fais contrôle S, voilà. Je pense que je vais mettre ça comme classement du. Comme classement du monde 1. Genre vraiment la chose à retenir c'est le 1A qui je trouve genre ressort vraiment à un design intéressant, à des raccourcis sympas qui demandent pas forcément des pièces étoiles. Les trois pièces étoiles sont plus ou moins différentes, enfin c'est vraiment vraiment cool. Et bon le 1.5 c'est un niveau d'eau très basique et j'ai rien, il y a vraiment y a rien de spécial qui s'y passe donc rien de spécial à dire dessus. C'est pas genre, je dirais pas, c'est pas mauvais mais vraiment rien de spécial. Ce qui conclut ce classement du monde 1. La prochaine fois, eh bien, on pourra faire le monde 2. Qui, je pense, a un peu plus de niveau. Faudrait que je vérifie. Mais... Oui, je pense qu'il y a 6 niveaux. Il y a 6 niveaux numérotés plus château truc. Ah, ça fait 8 aussi. On verra bien. Sur ce, c'est la fin de ce premier classement.